Salut, c'est Jou. Comment ça va? Ah, désolé, je faisais quelques réglages. Là, tu devrais m'entendre correctement, je pense. Bah écoute, ça va. Comme lundi. On va faire ce qu'on a à faire. Et voilà quoi. Et toi, tu joues un peu? J'ai l'impression que mon micro se déclenche pas correctement. Tu m'entends correctement ou pas? Écoute, bah ça c'est un mystère, hein. On l'a tous de toute façon. Alors par moment, tu l'as pas de la journée, et puis des fois, je t'ai dit, des fois moi j'ai 3-4 fois, hein. 3-4 fois d'affilée. Hein. On va dire que c'est pas très agréable, quoi. On va voir jeudi quoi. Jeudi, il y a une petite mise à jour, donc en espérant qu'il corrige cela. Entre le bug de la déco plus le bug de retour à l'accueil, ça commence à faire beaucoup, hein. Ouais, c'est pas précisé, mais bon, on espère quoi. Pour Plaqui jeudi alors? Alors, faire un petit tour des coffres à mot de passe. J'aimerais bien terminer le gachapon quand même. Ouais, après, bon, on n'est pas développeur, mais c'est vrai que en tant que joueur, c'est pas très agréable, quoi.
La poule saké. Il fait le top, de toute façon. Après, il y a Saki et Lin, quoi. Les deux d'affilée, quoi. Tu skip. Ah, si tu joues team Fritz, oui, je comprends. C'est quand même bien fort. Pour ma part, je skip Saki, vu que je joue Team Poudre. Oui, ouais. Mais Saki pour tank, c'est énorme. Quand tu vois le renvoi de dégâts. Mais je sais pas. Ça dépend surtout si t'es free to play ou tu mets un peu quoi. Après t'es tranquille là, tu pousses Saki, après tu vas pour le Alice et Alice elle arrive pas tout de suite donc. Ouais. Bah oui, parce que Marc, tu le fais rentrer dans une team tank et c'est énorme. Bon, je te dis, moi c'est pareil, hein, Bayuki, ouais, le fait qu'ils annulent la collab, ça m'arrange pas non plus, hein. Étant donné que je joue foudre. Pour ma part, ça sera Lynn en briseur de bouclier. Ah, parce que de base, tu voulais Marc, donc.
Après, je pense qu'ils vont faire quelque chose parce qu'ils peuvent pas laisser ça comme ça. Parce que pour la team Foudre, elle est tellement désavantagée. Bon, on peut se retrouver avec une future collab, hein. Après, l'avantage, c'est que si tu pousses Saki, je sais pas à combien tu vas le chercher. Et après, tu dis que tu vas skip Lin. Mais l'avantage de Lin, c'est qu'il s'adapte à ta team. Donc, par exemple, pour tout ce qui est le fantasme, bah, Lin, il passe foudre, il passe givre, il passe. Il suffit que t'as deux feux, ton Lin, il passe feu. T'as deux en attaque, ton Lin, il passe attaque. Ça te permet d'aller super haut en fantasme. Rien qu'avec Lin. Ouais, si tu joues tank, tu joues. C'est qui? C'est Uma? Uma qui est feu? Non. Uma, les feux ou attaque, je sais plus. Non, Lin ne remplacera jamais un tank, c'est sûr. Lin, c'est un gros support. Hein. Oui, Uma, c'est feu. Donc tu jouais, ouais. Non, non, mais Lin, c'est sûr que ça sera Uma et Meri pour le moment. C'est pas le combo parfait, mais c'est quoi ta team? Uma, Meri dans la même team? Les Kim principalement. Ouais, là tu. Ouais. T'as pas de résonance. On va dire que c'est un peu embêtant. Cobalt B. T'es. Tu peux jouer. Tu peux jouer Meryl Saki Fritz. Y a pas de Tsubasa. Soit tu joues en DPS Tsubasa, Fritz et Saki. Soit j'ai vu certains jouent Meryl et Saki dans la même team.
Mais il est avec Saki? Donc tu vas faire quoi? Meryl, Saki et... Là, l'idéal, c'est faire Meryl, Saki et Coco Ritter. Utang qui est une... Ah bah ouais. Du temps que tu te heals, t'es intuable, hein. Ta mairie, elle est combien? Elle sait combien? Alors 5. Et tu vas chercher ça qui combien? Coco est 0. La coco, il faudrait qu'elle soit C1. Océan a fait le taf déjà. Minimum 3, bon, bah, t'es bien là. Pas largement au-dessus de ta mire, là. Ça, faut pas oublier que... Meryl c'est 5 ou c'est 6 par exemple. Ça sera toujours plus fort qu'une Saki c'est 0 quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui vont pull Saki. Mais s'ils ont une Meryl 5 ou 6 et qu'ils pull un Saki 0, bah faut qu'ils fassent attention parce qu'ils risquent d'être déçus quoi. Bon bah là on va tenter une conjointe. On verra si ça bug ou pas.
J'en ai tué quelques-uns. Mais à vrai dire, je m'attarde pas encore trop dessus, quoi. T'en as qui piquent, hein, quand même. Et je voulais passer 75 pour monter un peu mon DPS. Pour pouvoir être plus ou moins tranquille. Que là, je suis qu'à 54 en FC. Mais ouais, oui, j'en ai déjà fait une bonne moitié déjà. Ouais, les deux là, bah moi aussi, il me reste à faire. Ils sont costauds ces deux-là. Ah oui. Ça veut pas proc. Oui, bah oui. Ouais, c'est des mobs de fin de jeu pour nous à l'heure actuelle. C'est normal qu'on ait du mal à les passer, quoi. Je vais donc pas lancer une OP, moi. Ah bah tu vois, voilà. Le joli petit bug. La baleine, tu l'as eu avec Samir, je suppose. J'ai pas compris ta phrase, la baleine. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je suis une baleine?
Attends, je relance le jeu là. La grosse baleine dans le portail vert, celle qui vole. Alors, je comprends toujours pas. Je suis désolé. Après, mon Samir C6, beaucoup, beaucoup de chance, hein. Il y a un... Un tout petit cache, hein. En termes de cache, j'ai dû prendre quoi? Ah, la baleine dans les portails verts. Oh, je pensais à des portails d'invocation. Oh, j'étais parti loin. Oh. Non, non, non. Samir, full invoque. Samir, gros chanceux. Gros chanceux, Samir. Puis un tout petit cache. Hein. J'ai pris le pass, les deux packs du départ là, celui à 1 € et celui à 4, et c'est tout. J'ai pris que ça. J'ai pool sur Nemesis. J'ai Nemesis C2, je crois, oui. Mais si Samir, c'est dans les portails. Hein. J'ai dû avoir 2 fois Samir dans les portails violets. J'ai eu 1 fois Samir sur Sobek. Tout le reste dans les oranges, quoi. Ouais. Et puis j'économise depuis Nemesis. À la base, j'ai économisé Nemesis pour aller sur Bayuki. Bayuki, pas là. Bah, on continue à économiser. Vu que je vais jouer Team Foon, bah, j'ai pas trop le choix. Donc, ça sera Ling, mon prochain perso. Après Ling, ça sera Tang Yang. Donc, on économise. Y aura un peu plus de. Là, je dois être un peu plus de 300 invocations pour Ling. Devrait monter. Je devrais montrer à peu près à 400. T'as Jakin C6, toi. Hein. C'est bien. Moi, il est C4. Et par exemple, j'ai jamais eu Crow. Crow, je l'ai pas. Jamais la salle là-bas. Bon, après, c'est pas un perso que je voulais jouer, mais avec toutes les invocations que j'ai fait, jamais eu.
Bien déjà. Bah, Meryl 5, Crow 4, King 6. Ouais, c'est bête que t'aies free de 0, quoi. Que le refaillon moins C1. Il aurait eu C1 déjà, t'aurais vu la différence, quoi. Ouais. T'es impossible d'avoir une part de stuff en foudre quoi. Pourcentage quoi. Je sais pas si t'as déjà eu une part de stuff en pourcentage attaque élémentaire. Pour ma part, ça veut pas tomber, hein. Et voilà, c'est reparti. Demain, il y a une mise à jour, tiens, je viens de voir sur le launcher. J'avais pas vu. Mettre correction des plantages de jeu dans certaines situations. On va voir ce qu'ils appellent correction.
Mais j'avoue, c'est légèrement pénible quand même.
Très compliqué ce boss-là. Hein. Non, non, non.
Allez, 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 allez. Eh bah. On est du stop goal là, hein, mais bon. Oh là 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 là. Bon, on s'arrête là, ce sera un petit live d'une heure. On n'en fera pas plus pour aujourd'hui. On prendra sans doute dans l'après-midi. Allez, bye!